Bonjour, c'est Narcisse Baya Tchamala. Vous êtes bien dans People du Bled. C'est la crème de la crème des talents congolais à suivre absolument quand vous pouvez, que vous soyez sur le net ou à la télévision chez vous. C'est vraiment l'émission qu'il faut suivre. Salut People du Bled. Oui, en quelques mots, Narcisse Baya, fondateur de la plateforme de streaming Basic. Mais aussi animateur, producteur et MC de pas mal d'événements à Kinshasa, voilà. J'ai commencé dans l'audiovisuel très tôt, vers 1999, je ne sais pas combien d'années ça fait, je ne compte plus d'ailleurs, depuis un bon bout de temps, mais je peux dire que j'ai à peu près 19-20 ans dans le média, en tant qu'homme des médias, animateur, producteur d'émissions, etc. Et je suis tombé dessus en prenant tout selon mon transport et pour aller chercher de l'emploi chez Raga, j'ai fait mes débuts là-bas. Pendant pratiquement 10 ans, au bout de 10 ans, j'ai été un tout petit peu aussi fatigué et j'avais envie de faire autre chose, d'aller ailleurs. C'est comme ça que j'ai été sollicité, recruté par Radio Okapi sous contrat de la Fondation Hirondelle, voilà. Et au bout d'un mois, on m'a basculé sur le contrat UN, donc Nations Unies, en tant qu'animateur producteur à Radio Okapi. Donc voilà, donc c'est un petit peu ça mon parcours. Mais après, à côté de ça, je développe une start-up, un projet entrepreneurial qui s'appelle Basic, la plateforme de streaming justement, qui a pour but de commercialiser à moyen terme hein, ou à long terme la musique congolaise sur les smartphones à travers cette application-là. Et d'ailleurs, cette application a remporté un prix novembre 2016. Première start-up a remporté un prix à l'international, donc en Afrique du Sud, au Digital Lab Africa. Ça nous a valu une formation en France où on était en incubation pendant un mois. On a dû peaufiner le projet et là donc on l'a activé en pré-lancement depuis pratiquement 8 mois et on a 7000 abonnés aujourd'hui sur la plateforme, des personnes qui viennent régulièrement écouter de la musique sur notre application de streaming disponible sur Google Play. Alors, Basic, c'est musique Nachombo, c'est-à-dire une application dans laquelle on met toute la musique congolaise, des artistes émergents, des grandes stars, et les gens vont sur une plateforme télécharger et mettre dans leur téléphone. Une fois que c'est dans leur téléphone, ils peuvent écouter librement toutes les chansons qu'ils veulent. Pour l'instant, c'est gratuit, donc on permet aux gens d'en profiter. Dès que le moment de paiement va arriver, c'est à ce moment-là qu'on pourra demander aux gens de payer, mais ça ne va pas coûter cher, ça sera vraiment moins cher, et les gens pourront en profiter pour découvrir toutes les musiques. Au lieu de laisser une radio, par exemple, vous imposez un style musical précis ou un disque que vous aimeriez écouter, nous, on vous propose une application avec toute la musique et ça sera à vous de créer vos playlists et d'écouter les morceaux que vous voulez écouter sans contrainte, sans difficulté, qui est courant ou pas, sans problème. Voilà quoi. C'est vraiment un peu, un peu comme les autres, Deezer, Spotify, etc. Mais nous, c'est vraiment l'idée de faire rencontrer le contenu, donc la musique et le public. Au centre, c'est les artistes. Lorsque vous êtes dans l'application, vous avez la possibilité de suivre les artistes, donc de les follower. L'artiste peut avoir un nombre élevé de fans qui le suivent et en même temps, ces fans peuvent être alertés de son actualité, d'interagir avec l'artiste. C'est très important pour que les fanbases se développent. Et là, vous n'avez pas la même contrainte que sur les réseaux sociaux où on vous impose forcément de payer, faire sponsoriser pour avoir le plus de fans, etc. Là, les fans suivent vraiment parce qu'il y a un coup de cœur derrière. C'est vraiment le rôle qu'on veut avoir, c'est de pousser les artistes et les fans d'interagir. Je crois qu'on est déjà entré dans le digital. Lorsqu'on utilise une carte bancaire, c'est pratiquement le digital. Les télécoms proposent Internet. Il y a 11 millions d'abonnés à la 3G aujourd'hui, c'est énorme. Sur à peu près 30 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, ce qui est faible par rapport au marché global, mais je pense qu'on est très bien parti. D'ici 2020, avec le nombre de smartphones qui sont en train de croître en termes de ventes, d'ailleurs on a eu la chance d'être dans une analyse d'études de marché du 4e cabinet d'audit le plus important du monde, qui s'appelle Deloitte, et qui stipule d'ailleurs que d'ici 2020, le nombre d'abonnés, enfin d'utilisateurs de smartphones va exploser. Je pense que les smartphones vraiment poussent les gens à utiliser Internet, et des contenus comme Basic permettent justement de valoriser un secteur, une industrie musicale. Et je pense que d'ici les 4 années, 5 années à venir, ça va être un gros boom. Donc on pourra voir des gens vivre de la musique, on pourra voir les gens être des digital, ce qu'on appelle les digital natifs.
et le nombre d'utilisateurs Internet va vraiment exploser parce que il y a vraiment cette espèce de marché qui se crée, d'une interaction qui se crée, des valorisations qui se créent et qui se complètent, qui vont faire en sorte que voilà, qu'il y ait peut-être d'ici 4 ans, 5 ans, 20 millions d'utilisateurs d'Internet au Congo. Donc, et c'est ce qu'on espère en tout cas à travers nos initiatives et nos activités et à travers les actions des différents intervenants sur la filière, quoi. Trois personnalités qui m'inspirent le plus et que je prends pour modèle. Premièrement, mon père, parce que voilà, c'est mon père, c'est lui qui m'a inspiré, qui voilà, je tiens de son sang cette motivation, cette hargne, cette foi, cette créativité, cette passion, cette envie de vivre, d'exister, et le respect, les valeurs autour. Deuxième personne, c'est surtout celui qui a activé le côté rebelle en moi. C'est pas activé le côté rebelle en moi, en fait, je veux pas me faire passer pour un rebelle, mais qui m'a fait comprendre que ma rébellion, et si j'ai toujours été rebelle, c'est surtout parce que je suis en manque d'un changement. Je n'aime pas le statu quo. Et c'est Steve Jobs qui a révolutionné le numérique, le monde numérique pratiquement, en lançant Apple, iPhone, etc., iTunes, et Apple Music aujourd'hui. Et puis en troisième lieu, ben je pense que ça doit être certainement Lumumba pour sa motivation, on va dire quoi, sa pensée positive sur le pays, le combat qu'il a mené pour nous conduire à l'indépendance, la vision qu'il avait du Congo, même si aujourd'hui beaucoup n'arrivent pas à pénétrer cette dimension de la vision de Lumumba. Mais à son âge, le faire, il est mort très jeune, vous le savez, je ne vais pas raconter l'histoire, mais à son âge, avoir une telle position et avoir une telle vision, avoir une telle, conscience de la dimension du Congo, je pense qu'il fallait le faire. Et avoir une telle audace pour pouvoir réclamer ou précipiter le pays vers son indépendance, il fallait avoir un aura fort. Je pense que un peu de Lumumba, un peu de Steve Jobs, un peu de mon père, ça peut être un bon cocktail en termes d'influence, quoi. Merci d'apprécier ce que nous faisons, merci de nous encourager. On ne peut pas toujours tout faire seul, sans encouragement on ne peut pas aller loin. Nous on se nourrit de ça, tant du point de vue professionnel avec ce métier d'animateur-produceur que nous faisons, mais aussi par rapport au projet que nous avons initié, qui est un projet super lourd, super difficile à mettre en place, qui demande des gros moyens, mais vraiment grâce aux encouragements moraux, nous ça nous permet d'aller plus loin. Et puis je voudrais remercier donc toutes ces personnes qui ont téléchargé des applications, l'application de leur téléphone. Je leur recommande donc de ne pas arrêter d'en parler autour d'eux pour nous ramener encore le plus d'utilisateurs. Ça s'appelle Bazik, B-A-Z-I-K-S, sur Google Play. Tapez, vous allez l'avoir. Et puis, merci à toute l'équipe de son du Bled et du People du Bled de nous avoir reçus et d'avoir donné ce temps de parole. Le juste milieu. Innover. En équipe. Champagne. Indifférent. Je sais pas ce que c'est. Skinny peut-être. Scorpion. Basique devenant Spotify. Champions League. Belle montre.